Je suis là. Je suis encore là. Je participe plus que jamais à l'être. À l'être là. En allemand, on dit « Dasein », être là. Donner le là, faire entendre sa voix. Je réponds « ça va ». Quand on me demande comment ça va, même si ça ne va pas. Parce qu'on peut se l'avouer maintenant. Avec l'être là, on n'est pas à l'abri du non-être. On peut à tout moment cesser d'être là. Disparaître. Comme dit la chanson, la mort nous guette. Mais pas seulement, il y a aussi l'ennui, de jour comme de nuit, l'ennui, la fatigue, la lassitude, qui nous font ressentir l'être là comme s'il n'était pas là. Présence de l'absence. Le vide. Le plein de vide. J'écris ton nom en rajoutant un S. Être lasse. Lassitude. Lasse de nous voir te réclamer sans cesse de l'avoir. Un avoir pour supporter le poids de l'être. Mais parce que notre lien de parenté avec l'être ne nous suffit pas, il nous faut des moyens, des biens pour ne pas sombrer dans le mal-être. Le dénuement qui précipite le dénouement. Nous avons de plus en plus de mal avec l'être sans l'avoir. Et c'est ce qui explique peut-être l'explosion du nombre de candidats au suicide. Mais on se fait sauter la cervelle, non pas pour passer de l'autre côté, non, mais pour cesser d'être là. D'être lasse. De voir enlacer la nuit et l'ennui. L'être et le néant. Le sens et le non-sens. Ils ne naissent pas terroristes, mais terrorisés de ne pas figurer sur la bonne liste. Celle des maîtres et possesseurs de ce jeu de pistes qui ont à leur disposition la planète Terre et les moyens de vous faire taire. De rendre votre voix inaudible et votre personne inéligible. Et en vérité, tous ces jeunes qui mettent la vie des autres en danger ne commettent que des attentats à l'impudeur. Ils n'en peuvent plus de voir la voix écraser à ce point l'être. Et riche d'un côté, et les caniches de l'autre.